Hello tout le monde! Donc aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo lookbook. Oui, donc dans ce lookbook on va vous présenter 4 tenues différentes. Donc il y aura d'abord la tenue de plage, donc quand on va à la plage, voilà. Ensuite une tenue quand on va se balader au bord de plage, parce que nous il y a des boutiques et tout à côté. Voilà. Ensuite il y aura une tenue de ville, pure ville. Et pour finir, une tenue là quand on sort pour aller en soirée ou quoi. Pour un anniversaire ou voilà un petit concert, quelque chose qui se passe donc, pendant l'été. Cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. Donc voici mon look de plage que j'adore vraiment, que je trouve trop beau. Donc pour ce look je porte des lunettes reflets qui viennent de chez H&M, qui sont trop belles. Des tongs blanches toutes simples que j'ai trouvées au bord des quais à côté de la plage. Un short gris qui vient de chez Tatier qui est vraiment trop cute. Et un t-shirt brodé au vert sur les côtés qui fait très plage, qui vient de chez Pinky. Pour sa tenue de plage, porte des tongs roses toutes simples, un bracelet de cheville, c'est des yeux de Saint-Lucie qui viennent de Corse, une combinaison de chez Jennifer, des bracelets de chez Diamantor, ainsi que des lunettes noires Guess. Donc pour mon look marinière, vous avez pu le voir à côté, je porte des lunettes de chez Claire's, même si elles ressemblent beaucoup à celles de H&M. Une marinière ouverte dans le dos avec des petits nœuds qui sont trop cute. Encore les mêmes tons ainsi que le même short. Pour son look marinière, porte un crop top de chez CEA, un short un peu crème avec sa ceinture qui vient de Cannes, avec des sandales marron avec des dorures qui viennent de chez La Halle. Donc pour mon look ville, je porte un t-shirt un peu tunique qui est couleur un peu corail qui vient de chez Pinky. Un sac gris que Marie a acheté sur le marché. Des Nike Ice Tea qui sont roses et que j'ai acheté à Dockstore. Et encore le short gris de chez Tati que j'adore vraiment beaucoup. Donc Marie pour sa tenue plage porte les mêmes sandales ainsi que le même bracelet de chenille que tout à l'heure. Un short en jean qui vient de chez Pinky. Un sac tout coloré qu'elle a ramené de Porto avec des bracelets Diamantor, les mêmes que tout à l'heure. Elle porte aussi un t-shirt fleuri avec le décolleté en dentelle aussi qui vient de chez Pinky. Avec mon look de soirée, je porte encore le même t-shirt parce que je trouve que en mettant comme ça, ça fait vraiment soirée. Un jeans, je crois que je l'ai acheté à H&M mais je m'en souviens plus trop. Je porte aussi un petit bracelet avec des petits diamants, vous allez voir. Et des chaussures qui malheureusement ne sont pas des boutons, on pourrait y croire, mais que Marie a acheté sur Latin The Box. Donc on vous mettra le lien du site en barre d'infos. Donc Marie pour sa tenue de soirée porte des petites ballerines, les petites bombes comme vous pouvez le voir, qui sont argentées et qui sont très mignonnes. Un bracelet de cheville, donc le même que tout à l'heure.
une robe de chez Pinky orangée, que vous devez voir un peu rouge, mais elle est orangée, et un sautoir cœur, ainsi que deux bracelets de chez Diamantor. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc là on est habillé en tenue de ville parce que comme vous pouvez voilà. Le voir. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. Ça nous dira que si vous voulez continuer à voir des lookbooks, on essaiera d'en faire un. Oui, un par saison à peu près parce que c'est assez long à tourner, le montage est assez compliqué. Du coup, c'est vrai qu'on vous a fait quand même 4 tenues, donc 4 tenues chacune, ça fait 8. Donc c'est assez long et voilà. C'est ma GN qui passe en courant, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc voilà, donc comme d'habitude, commentez, partagez, likez, commentez. Donc Marie vous retrouve lundi et moi mercredi pour une prochaine vidéo. Et jusque là, on vous fait à tous, gros bisous. Bye.